Otef, cher Kamit, je vais comme ça apporter des éléments de réponse à vos questions. Voilà, j'aimerais rappeler que Questions Réponses, c'est un épisode spécial pour vous apporter des éléments de réponse en ce qui concerne vos préoccupations dans votre recherche spirituelle. J'aimerais aussi vous rappeler que notre page TikTok est désormais réactivée. Vous savez, je vis en Russie et en Russie, TikTok est bloqué. Donc, puisque pour le moment je suis hors de la Russie, j'ai veillé à ce que TikTok puisse désormais fonctionner sans interruption. Même quand je retournerai en Russie, vous n'allez pas manquer des vidéos sur TikTok. Alors, vous aurez donc après dans cette vidéo le lien de notre page TikTok et je vous remercie de nous suivre sur TikTok. Ce sera assez facile aussi de faire des partages sur TikTok. Et je rappelle aussi que, vous savez, nous devons sensibiliser la jeunesse. Et le but de notre chaîne YouTube et de TikTok, le but de notre école est de sensibiliser la jeunesse. Plus nous allons sensibiliser, plus nous allons, chacun à son niveau, contribuer à un monde meilleur, plus éduqué et plus productif. Alors, la première question, le totem de corbeau. Vous savez, tout totem reflète d'abord le comportement ou la particularité de l'animal en question. Donc, par exemple, vous avez le hibou. Le hibou, c'est un animal qui est très sensible. Avec ses pattes, par exemple, le hibou peut, étant perché dans un arbre, il peut savoir où exactement se trouve la cible. Il aime bien manger des souris, des rats et tout ça. Voilà. Donc, étant donc perché sur un arbre, il va ressentir des vibrations qui se propagent sur la terre. Il va également, avec son cou qui peut tourner à 360 degrés, être capable de voir, avec ses yeux qui fonctionnent très bien la nuit, il est donc capable de voir où se trouve la cible et attaquer. Donc, concrètement, le hibou, au niveau spirituel, permet donc d'espionner. Le corbeau. Vous savez, le corbeau, c'est un animal très sage, hein. Non seulement il peut aussi servir d'espion, mais là, c'est beaucoup plus en journée. Tandis que le hibou, lui, c'est la nuit. Quand les choses sont calmes. Le corbeau. Si vous avez observé cela, si vous avez un corbeau qui vient devant votre maison, il observe la ville à manger qui est dans la poubelle, il prend la nourriture. Si un autre jour il vient, il trouve assez à manger, il va appeler ses amis, corbeaux, ils vont venir tous manger. Mais si vous tuez un corbeau, tous ces corbeaux-là ne viendront plus chez. Ils vont fuir le quartier, ils vont fuir la maison pendant moins une semaine, ou je dis pendant moins un mois, ils ne viendront plus dans la zone. Et si ça se répète même pendant un an, ils ne viendront pas. Donc les corbeaux communiquent très bien entre eux. Le corbeau aussi peut être dans le plan mystique un messager. Vous pouvez y passer des messages. Dans certaines cultures, beaucoup plus en Amérique latine par exemple, les corbeaux sont considérés comme des messagers, des ancêtres. Donc, le totem de corbeau va donc permettre de quelque part de transmettre des messages, mais également il permet d'espionner. Ça c'est en journée, tandis que le totem du hibou va espionner la nuit. Ici il y a un frère qui dit qu'il ressent un grand vide depuis. Justement, vous avez ressenti le grand vide parce que c'est lié au fait que vous devez vous initiez, vous devez commencer à travailler sur vous et à vous remplir au niveau énergétique et spirituel. Parce que comme quelqu'un le disait, la plupart des humains de nos jours, c'est quoi? Le ventre plein et les testicules vides. C'est-à-dire que trop de sexe et de façon pas du tout automatique et trop de nourriture.
Tandis que quand vous vous mettez dans la spiritualité, vous allez contrôler votre sexualité et vous allez contrôler ce que vous mangez. Voir constamment un hibou blanc, voilà, vous êtes espionné spirituellement. Bâiller, éternuer, avoir du hoquet, tout ça, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a une explication spirituelle, effectivement. Quand vous bâillez, vous éternuez, ça dépend de qu'est-ce que de l'état du moment présent de votre corps d'énergie. Que signifient des piqûres et des battements sur le corps? Si vous êtes un travail de lumière, vous pouvez avoir des battements ou des passages électriques sur le corps. Ça dépend de quel type de travail spirituel vous faites. Est-ce que vous avez activé votre vampire, comme on le dit souvent? Quand vous activez le ki, votre centre énergétique, quand il commence à fonctionner de cette façon, quand vous activez l'énergie vitale en vous de cette façon, vous ressentirez parfois les parties du corps qui bougent. Mais là, c'est agréable. Tandis que quand vous êtes possédé, quand vous avez des parasites dans le corps, vous pouvez ressentir des parties du corps qui picotent, ou des parties du corps qui battent. Et là, ça ne vous fait pas du tout plaisir. Vous pouvez également le ressentir la nuit quand vous êtes couché sur le lit. Là, ça en prélude des attaques. Ça veut dire que il y a un sorcier qui est dans la chambre, qui est autour de votre lit, ou des sorciers qui sont en train de tripoter votre corps et préparer votre corps à avoir des couches de nuit ou à être possédé. Dans ce cas, vous êtes couché, vous sentez comme si il y a des parties du corps qui battent, peut-être le bras, peut-être l'épaule, peut-être la main, alors que vous ouvrez les yeux, vous ne voyez rien. Ça veut dire que ce voyou sorcier-là est en train de tripoter votre corps et se préparer à préparer votre corps à recevoir des attaques. Si vous êtes déjà initié, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Si c'est pas le cas, prenez tout simplement un balai et frottez-vous le corps avec, frottez le lit, parlez. Si vous avez le livre libre ou guide pratique, vous en saurez mieux ce qu'il y a lieu de faire pour ce type de cas. Mais si vous ne, si c'est pas le cas, prenez donc tout simplement votre balai, chasse-mouche, balai traditionnel. Faites des gestes dans la maison et parlez dans tout votre lit autant, tout votre corps, tout votre lit et parlez. Et déposez-les au chevet du lit. Que pensez-vous des interdictions de manger certains aliments? Donc, certaines loges, ils interdisent de manger, ou de temps inconfort, on vous dit de ne pas manger de la chèvre, de ne pas manger du porc, et ainsi de suite. Généralement, on vous demande de ne pas manger certains aliments parce que c'est lié au génie avec lequel vous travaillez. Il y a les lignées, par exemple, on ne mange pas la tortue. Il y a les lignées, par exemple, on ne mange pas le serpent. Par exemple, les familles, il y a les jumeaux, par exemple, on ne mange pas le serpent. Manger certains aliments dans certaines familles. Parmi les albinos, on ne mange pas ceci ou cela. Voilà, c'est parce que quand vous allez manger certains aliments, ça va rompre le lien avec les génies qui sont supposés vous assister. Comment est-ce que le sorcier fait pour localiser sa cible? Il y a plusieurs méthodes. Le sorcier peut vous localiser si il vous a fait un cadeau. Il peut vous localiser aussi si il a des objets qui vous appartiennent. Vous habitiez chez votre parent, vous avez laissé des parties parce qu'il y avait trop de sorcellerie. Cependant, vous avez laissé vos vêtements là-bas, vous n'êtes plus parti avec tout ce qui vous appartenait. Même le lit sur lequel vous avez dormi, il suffit que ce parent-là s'y connecte, s'asseye, il dort dessus et il se connecte à vous. Donc, ce sera difficile qu'on ne se connecte pas à vous. Mais ce qui sera possible, c'est que la personne arrive à traverser votre champ magnétique. On peut se connecter à vous, mais on n'arrive pas à traverser votre champ magnétique. Une personne peut avoir votre photo ou votre nom et se connecte à vous, tout simplement. Si vous avez un taux vibratoire haut, le champ magnétique est solide, on ne peut pas agir sur vous. Mais si le champ magnétique est faible, parce que le taux vibratoire est faible, le sorcier pourra agir sur vous. Donc, il ne suffit pas tout simplement d'éviter les appels. Papa, au-delà de cela, le plus important, c'est votre taux vibratoire et votre champ magnétique. Comment ça se développe pendant l'initiation?
Rêvez de voir un gros serpent entourer vos pieds. Ensuite, vous rêvez de voir le soleil devenir rouge et la terre instable. Le soleil qui est rouge et la terre instable, c'est votre monde spirituel qui est en baisse de vibration, votre univers spirituel. Tout simplement, ça veut dire que vous êtes en train de vous négliger au niveau vibratoire. Un gros serpent qui vous entoure les pieds. Ça veut dire, voilà, les pieds, ça veut dire qu'on est en train de prendre le contrôle de votre vie. Donc, vous devez urgemment faire un scanner, une consultation, pour rencontrer un maître spirituel qui va voir ce qui se passe dans votre vie. Mais sinon, c'est déjà des alertes qu'on vous envoie là. D'où vient l'argent des sectes? L'argent des sectes, je ferai une vidéo dessus. Notez que les gens qui sont dans les sectes deviennent riches parce que il y a des réseautages. On vous présente à tel qui va investir sur vous. Voilà, ça c'est à 90%. Mais il y a 10% où on peut vous faire avoir de l'argent cash, comme par exemple ceux qui utilisent des porte-monnaie ou des valises magiques. C'est de l'argent cash qu'on les envoie. L'argent là, ça vient de quoi? Ça vient de la loge, des membres de ces loges là qui ont de l'argent. Je vais vous expliquer une vidéo. Dans une vidéo, je vais vous expliquer de quoi il est question. En vous partageant une expérience. Sauver sa mère de la noyade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que votre maman, dans le plan spirituel, a besoin d'aide. Voilà, il faudra lui envoyer des bonnes pensées positives. Que faire contre les démons, les monstres et tous les esprits qui vous attaquent? Pour augmenter tout simplement votre taux vibratoire. Parce que vous êtes branché dans une fréquence où vous vivez cela. Parce que tout ce que vous vivez, c'est lié à votre taux vibratoire. Vous ne pouvez pas être dans une, voilà, vous ne pouvez pas être au soleil, en plein été au soleil, et dire que vous allez éviter le soleil ou être en plein hiver, en hiver, disons, dans un endroit glacial en plein hiver, à moins 50, et dire que vous évitez. Voilà. Donc, tout dépend, tout ce que vous vivez dépend de votre taux vibratoire, dont on parle souvent d'alignement vibratoire. Rêver d'une personne depuis plus de 10 ans. Rêver de cette personne depuis plus de 10 ans, et c'est pas des rêves positifs. Soit la personne vous réclame quelque chose, soit vous travaillez pour la personne, ainsi de suite. Ça veut dire que cette personne est assise sur votre destinée, si on peut dire ça comme ça. Il est temps de prendre le dessus et faire que cette personne arrête d'agir sur vous. Donc, vous pouvez faire une consultation pour savoir quoi, quelle question. Ici, une personne dit, que faut-il pour avoir une consultation? Qu'est-ce qu'il faut? C'est tout simplement me contacter. Il y a toujours mon numéro dans l'espace de description. Contactez-moi et nous allons prendre rendez-vous. Quelle est la différence entre rituel d'envoûtement et rituel d'attirance? Rituel d'attirance, c'est-à-dire que vous purifiez et vous faites usage des produits qui feront que les gens viennent vers vous. Il peut y avoir l'attirance financière, ça s'appelle l'attirance au niveau sentimental des célibataires. Voilà. Mais généralement, les rituels d'attirance au niveau sentimental attirent aussi au niveau des finances, attirent tout ce qui est positif. Une fois que le nettoyage est fait. Tandis que les rituels d'envoûtement, vous savez que vous avez ciblé, vous avez une cible ou des cibles, et vous voulez donc envoûter, donc les contrôler, contrôler l'esprit, afin qu'il fasse ce que vous voulez. Donc, il y a des envoûtements d'amour, par exemple, et les envoûtements de destruction. Je ferai une vidéo dessus. Voir son propre visage en méditation. Voilà, tout va dépendre au-delà de qu'est-ce que vous faites comme exercice. Est-ce que vous êtes devant un miroir? Tout dépendra de qu'est-ce que vous faites comme exercice. Mais sinon, voir son propre visage en méditation n'est pas l'idéal. Il faudra être tout simplement plus détendu, focalisé sur la respiration et rester à l'écoute. En regardant l'heure par hasard, depuis quelque temps, vous voyez votre date de naissance. Ça veut dire tout simplement de prendre conscience de ce que vous n'êtes pas sur Terre pour l'éternité. Vous avez un timing, vous avez une mission de vie. Pensez à votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes là. Ce que ça veut dire.
Pourquoi est-ce que vous êtes incarné? C'est à cela. Rêver de voir deux oiseaux noirs qui entrent dans la maison ou qui sont dans la maison, ça veut dire les deux oiseaux noirs, si ça symbolise deux ennemis, voilà, qui sont en train de prendre contrôle de votre univers spirituel. Faites très attention. Voilà. Faites une période de purification et prenez un temps pour monter en fréquence vibratoire. Sinon, vous serez contrôlé par deux ennemis. Ça peut être deux parents, ça peut être deux proches, ainsi de suite. Si vous voulez, prenons rendez-vous pour une consultation. Une personne d'ici, quand on lui a mis un esprit, et comment faire pour quand on lui a uni un esprit, comment faire? Il faut faire une consultation pour savoir de quel type d'esprit il s'agit. Que faire? Parce qu'il y a des esprits avec lesquels il ne faut pas jouer les Harry Potter. Vous allez commencer quelque chose, ça s'amplifie et vous perdez le contrôle. Donc, mieux prendre une consultation pour ça. Rêver de refuser un mariage et de s'enfuir. Ça veut dire aussi qu'on veut vous marier à un esprit et vous avez fui. Ça, c'est bien. C'est un bon réflexe. Cependant, c'est en vibration haute. Et voilà. Et faites attention. Parce que, voilà. Si on vous marie à un esprit, physiquement, vous aurez des difficultés à trouver un mari, vous aurez des difficultés à fonder une famille. Je pense que j'ai apporté des réponses, voilà, à vos questions. N'oubliez pas, suivez-nous sur TikTok, partagez la vidéo, ça va aider transformer la communauté, à faire en sorte que nous ayons une communauté meilleure. Au TEP, et à très bientôt.